Alors bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 avril 2020, jour de la reprise après ces vacances de printemps. Donc je vais vous présenter ici à l'écran les différents rituels. Donc premièrement, la dictée bilan, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas eu de dictée à préparer pendant les vacances. Par contre, nous passons directement au rituel numéro 2, les problèmes du jour. Donc ici, vous allez devoir retrouver la bonne opération pour résoudre les trois problèmes du jour. Donc, il y a le problème numéro 1, le problème numéro 2 et le problème numéro 3. Vous devez à chaque fois trouver s'il s'agit d'une addition, d'une soustraction ou d'une multiplication pour pouvoir résoudre le problème. Je vais lire le problème numéro 1. Anna possède 6 colliers et 7 paires de boucles d'oreilles. Combien de parures de bijoux différentes peut-elle composer? Alors, une parure est constituée d'un collier et d'une paire de boucles d'oreilles. Donc ici, Anna a 6 colliers et 7 paires de boucles d'oreilles. Donc combien de parures peut-elle composer? Choisissez la bonne opération. Problème numéro 2. Paul a 12 billes et Alice en a 5 de plus que Paul. Combien Alice en a-t-elle? Problème numéro 3. Il y avait 77 kg de feuilles d'arbres entassées dans la cour. Alors ici, ce sont des feuilles qui sont mortes durant l'automne. Nous les avons tous accumulées dans un coin de la cour et ça forme 77 kg de feuilles. Par contre, le vent en éparpille 15 kg, c'est-à-dire qu'il en souffle 15 kg. Elles s'envolent, ces feuilles. Quelle est donc la masse, le poids du nouveau tas de feuilles? Donc là, vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir effectuer les trois problèmes. Moi, je vais vous donner la réponse maintenant. Alors, pour le problème numéro 1, Anna possède 6 colliers et 7 paires de boucles d'oreilles. Il fallait faire une multiplication. 6 fois 7 égale 42. Donc, la phrase réponse était Anna peut composer 42 parures de bijoux. Problème numéro 2. Ici, Alice avait 5 billes de plus que Paul, comme Paul en a 12. Pour savoir le résultat, il fallait faire une addition. 12 plus 5 égale 17. Donc Alice a 17 billes. Et enfin, problème numéro 3. Il s'agissait donc d'une soustraction. Au départ, nous avions 77 kg de feuilles, moins les 15 kg de feuilles, ce qui revient à 62 kg de feuilles. Donc, quelle est la masse du nouveau tas de feuilles? La masse du nouveau tas de feuilles est de 62 kg. Voici le troisième rituel. Le calcul mental. Donc, défi 18, divisé par 2 un nombre entier pair. Alors, petite explication pour ça. Alors, diviser un nombre par 2, c'est trouver la moitié de ce nombre. D'accord? Alors, diviser, le signe diviser se symbolise avec deux petits points, comme ici, vous voyez? Voilà. Donc, 8 divisé par 2, cela signifie 8 partagé en 2. Donc c'est la moitié de 8. Donc la moitié de 8, c'est 4. En plus, 2 fois 4, ça fait 8. Donc on peut retrouver la réponse comme ceci. Donc 18 divisé par 2, donc c'est la moitié de 18. Donc la moitié de 18, ça fait 9. Voilà. Et en plus, 2 fois 9, ça fait 18. Vous pourrez également retrouver des nombres à deux chiffres, comme ici, 42. Il va falloir partager en 2, divisé par 2. Pour cela, il va falloir prendre les dizaines. 4 dizaines, la moitié de 4 dizaines, c'est 2 dizaines. Et la moitié de 2 unités, c'est 1 unité. Donc 42 divisé par 2, c'est fait 21. Donc la moitié de 42, c'est 21. Ici, c'est un peu plus compliqué parce que nous avons 3 dizaines. Donc 3 dizaines, nous ne pouvons pas partager ça en 2. Par contre, 3 dizaines, ça fait 30. Donc la moitié de 30, c'est 15. Donc on retient bien 15 dans la tête.
D'accord? Et ensuite, on a 8 unités. La moitié de 8, c'est 4. Donc, ça fait 15 plus 4, ce qui nous fait 19. Donc, 38 divisé par 2, c'est égal à 19. D'accord? Donc, vous pouvez toujours revenir en arrière si vous n'avez pas bien compris cette petite leçon pour pouvoir bien la comprendre avant d'effectuer les rituels. Donc, revenons ici sur le calcul mental. Donc, vous pouvez préparer les 18 tirets. Donc, moi, j'ai fait des petites cases pour écrire les réponses ici. Et nous allons y aller. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. 8 divisé par 2. 12 divisé par 2. 20 divisé par 2. 6 divisé par 2. 26 divisé par 2. Attention, un peu plus compliqué. 38 divisé par 2. 54 divisé par 2. 2 divisé par 2. 14 divisé par 2. Ça, c'était la première série. Deuxième série. 24 divisé par 2. 42 divisé par 2. Un peu compliqué. 70 divisé par 2. Alors, quelle est la moitié de 70? Réfléchissez bien. 102 divisé par 2. Ça, pour faire la moitié de 100 et la moitié de 2. Et vous additionnez tout ça. 400 divisé par 2. 80 divisé par 2. 10 divisé par 2. 84 divisé par 2. Et le dernier, un peu compliqué également, 360 divisé par 2. Donc, il faut faire la moitié de 300 et la moitié de 60. Et additionner les deux chiffres, enfin les deux nombres. Pour le petit problème que vous pouvez... Donc, vous pouvez noter la réponse ici. Dans notre classe, il y a 26 élèves. La maîtresse va partager la classe en deux équipes. Combien d'enfants y aura-t-il dans chaque équipe? Dans notre classe, il y a 26 élèves. La maîtresse va partager la classe en deux équipes. Combien d'enfants y aura-t-il dans chaque équipe? Et allez-y, écrivez la réponse. Alors, voici les réponses. Il fallait noter 4, 6, 10, 3, 13, 19, 27, 1, 7. Ça c'est pour la première série. Deuxième série, 12, 21, 35, 51, 200, 40, 5, 42 et 145. Et pour la réponse au problème, il fallait donc trouver 13 élèves par équipe. Rituel numéro 4, les lectures inférences. Lis les deux petites lectures et essaye de répondre aux questions. Donc, je vais vous demander de mettre sur pause pour pouvoir les lire tout seul et essayer d'y répondre tout seul. Donc, allez-y, mettez sur pause maintenant. Voici les solutions. Pendant son voyage, la sorcière perd son balai et se trouve projetée dans une salle. Pour détourner l'attention des gardiens, elle se cache derrière un tableau, puis contre une statue. Mais les visiteurs commencent à la regarder intensément. Où a échoué la sorcière? Donc il fallait retrouver un lieu. En fait, ici, il y avait plusieurs indices. Il y avait l'indice tableau, statue
Il y avait également des visiteurs et des gardiens. En fait, la sorcière se trouve projetée dans un musée. Texte numéro 2. Hélène appuya sur un bouton et les portes se fermèrent en glissant. Alors ici, le « et », logiquement, c'est « et », non pas « est ». Quelques instants plus tard, la petite fille arrivait à l'étage des jouets. Où Hélène est-elle montée? Eh bien ici, Hélène est montée dans un ascenseur. En effet, il y a plusieurs étages et là, elle se retrouve à l'étage des jouets. Eh bien voilà pour les rituels de ce jour.